Salut à tous les amis, c'est Rob46 et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis sur Need for Speed Most Wanted avec cette magnifique Lamborghini Countach et je viens de réaliser un glitch ou un bug sans le savoir. Alors, vous voyez la voiture de police juste ici. Elle est toute cassée, elle fait des étincelles, elle lâche des débris sur la route. Parce qu'en fait, et elle bug un peu, elle sautille comme ça. Parce qu'en fait, je venais juste de sortir d'une course-poursuite avec les flics. Et au moment où l'indice de recherche s'efface, eh ben, je take down cette voiture. Et après, ben, elle s'est mise à rouler. Et depuis tout à l'heure, ben, voilà, je la suis. Et elle est comme ça. Elle bug. Donc vous voyez, elle est bien, elle est take down. Normalement, elle pourrait plus rouler. Or là, elle roule. Alors je sais pas comment ça se fait. Et sur la minimap en bas, là où je la montre avec le doigt, on peut voir qu'il n'y a pas la flèche bleue. Alors que normalement, quand il y a des voitures de police, ben il y a une flèche bleue. Donc voilà, c'est. En plus, vous voyez, elle a les pneus, on dirait qu'ils sont en V, que la voiture, elle a été préparée pour faire du drift. Bon, bref, donc la voiture là de police, elle est toute pétée. Mais elle roule quand même. Alors je me demande ce que ça fait si on tape dedans. D'accord, donc ça fait rien. Elle s'arrête pas, elle fait rien en fait. Voilà. Alors j'essaie de lui rentrer dedans fort. Ah merde, je me suis loupé en plus. Pas doué. Donc là, hop, tac. Ben non, elle bouge pas. Voilà, donc en gros, c'est buggé. Et là, il y en a une autre. What? Je sais pas si vous avez vu. Ben tiens, la voiture de police qui est là, elle était buggée dans le mur là. Vous pouvez mieux voir que moi parce que moi là je suis en train de jouer et vous pouvez voir la vidéo donc vous pourrez mettre en ralenti et là je vais essayer de rattraper la bagnole, l'autre voiture de police sauf que elle a disparu. Bon ben voilà, elle a disparu, tant pis. Alors je vais essayer de voir s'il y en a une autre voiture de police, si elle est autant buggée que celle-ci, essayer d'en croiser une sur la route. Et voilà, donc on va faire un petit tour de pâté de maison, tiens là il y en a une. Là, vous voyez, elle roule bien pourtant. Elle fait pas d'étincelles quand elle roule. Donc voilà, en fait, c'est quand je l'ai take down, elle s'est mise à rouler toute seule. Regardez, parce que si j'arrive à en take down une. Bonsoir. L'inconvénient de cette Lamborghini Countach, c'est qu'elle avance pas, du coup, voilà quoi. Je pourrais peut-être. Oh, je l'ai balancé sur. Ah ben voilà. Donc là vous voyez, elle a pareil les pneus en V parce que là elle est tack down et elle a les phares éteints et tout ça. Sauf que l'autre voiture, elle n'était pas comme ça, elle continue de rouler. Et voilà. Bon bah alors là, je vais m'échapper, je vais partir. À moins que lui. Ah d'accord. Non mais non mais. What? D'accord. Ok, je me suis fait arrêter. Je pensais pouvoir m'échapper en réavançant. Je me suis fait arrêter. Bon ben. De toute façon, cette Lamborghini Countach, elle avance pas, quoi. Alors c'est bon quoi. Mais bon, pour ceux qui savent pas ce que c'est l'indice de recherche, c'est tout simplement comme les étoiles dans GTA.
excusez-moi, c'est comme les étoiles, ouais, en fait. Plus on tamponne les flics, plus on a l'indice de recherche qui monte. Et voilà. Et donc, aussi, j'avais d'autres glitches à vous montrer. J'en ai eu un il y a pas longtemps. Donc là, je vais dans mon appareil photo. Parce que j'ai fait des captures d'écran. Hop, donc tout. Bon, ça, c'était un autre glitch. Ça, c'était pas ça. Attendez, je vais retrouver. J'en ai un des captures d'écran de Need for Speed. Alors, c'était après. Je sais même pas pourquoi j'ai pas pris ça en photo. C'était après. Ouais, déjà, là, je suis arrivé sur les poteaux avec la Koenigsegg. Là, alors vous voyez ici, le poteau il vole, il vole. Donc là, on le voit bien, là. C'est un pylône électrique en fait. Et ensuite, il y avait cette barrière aussi que j'ai passé. J'ai passé un barrage. C'est une barrière qui vole aussi. Voilà, donc il y a plein de petits bugs dans le jeu qui n'ont jamais été patchés. Mais c'est pas très grave, hein. C'est parce que le jeu en lui-même, même sur la... Putain, je vais pas y arriver. Même sur la PS Vita, il est très bien. Donc voilà, il y a presque rien à se reprocher. Et je trouve que pour un jeu sur une console pareille, il est très bien fait. Parce que la PS Vita, c'est loin d'être la meilleure des consoles. Et voilà. Ensuite, sur Need for Speed, je ferai peut-être des vidéos si ça vous intéresse. Des vidéos de glitch, parce que j'en connais, hein, des glitch, parce qu'il y en a, il y en a pas mal quand même. Donc, je ferai des vidéos de glitch. Et aussi, découverte de bagnole ou des trucs comme ça, si ça vous intéresse. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like et un commentaire et à vous abonner. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!